quand on faisait la baignade, au moment où la taux de salinité était de 380 grammes, on flottait à la surface. Non seulement, mais la baignade avait des aspects thérapeutiques parce que ça soignait des maladies comme les hémorroïdes, le rhumatisme, le sopis, ce qui excitait les gens à venir découvrir le lac. Actuellement, on n'en a plus. Ndox bi bi mu ñëwé ci jamono biñ ko bënné mu ñëw liñ fi féré ci xaaliss rek ñun yaakaaru ñu sax loolu dina mëna gënëti ci lac bi té itam vraiment lac bi duggal nañ fi ndox bo xamanteni bi ndox bi daana dugg mais ni mu mel rek musul mel non rek lén dal vraiment bo bëggé dëgg dal yaakal nañ ñu dal lo xamanteni amatuñu confiance lac bi dina amaat xorom. C'est signer l'arrêt de mort du lac rose parce que je vous le rappelle, les éléments qui y vivent et qui sont responsables de la couleur rose sont liés à ce milieu qui est extrême. Si le milieu est dilué, ces éléments vont disparaître.